Et bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ma série Ma ferme périgourdine. Dans cet épisode, vous allez voir que nous allons reprendre les épandages. L'entrepreneur est revenu avec le Oxbow pour continuer les épandages sur les parcelles de maïs et de tournesol. Et nous allons aussi réattaquer les épandages de fumier dans les parcelles de prairies de tournesol qui seront destinées aux futurs semis de blé. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, les gars, un maximum de pouces bleus. Bien évidemment, on pense à s'abonner, à activer la petite cloche. Et nous, on se retrouve tout de suite après les scènes d'intro.
Et donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ma série Ma Ferme Périgourdine. Déjà un grand merci à tous pour les 1280 abonnés. Voilà, ça y est, on est à 1280 abonnés, donc on va bientôt arriver aux 1300, donc ça c'est une très bonne chose. Donc déjà merci à vous tous, merci encore une fois à tous ceux qui vont lâcher des pouces sous cette vidéo, qui vont bien sûr s'abonner et commenter également cette vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, vous voyez que je suis à côté du camion du laitier. Voilà, on a été discuter un petit peu des tarifs et vous voyez que dans les scènes d'intro, j'ai terminé quelques travaux pour terminer ce mois de septembre. Donc j'ai l'entrepreneur qui est venu m'écarter de la Marne pour choler les champs. Donc il est revenu avec son oxbow, il est venu, hop, donc j'avais commandé de la marne directement à la coopérative et du coup lui il a été chargé directement là-bas. Donc voilà, le laitier lui va continuer de charger son camion et nous on va aller épandre du fumier dans la parcelle, la plus grande prairie que j'ai en variété multi-espèces. Donc voilà, donc j'espère que ce petit début de vidéo vous aura plu. Moi en tous les cas ça m'a bien plu de vous faire tout ça, de vous montrer un petit peu les travaux que j'ai pu faire pour terminer ce mois de septembre. Allez, donc mois d'octobre, qui dit mois d'octobre dit bien sûr beaucoup de travail en ce qui concerne la ferme. Hop, donc là j'avais déjà distribué un petit peu la ration. Donc à venir, il va y avoir dans un premier temps donc les semis de blé à faire. Donc on va terminer bien sûr les épandages de fumier avant de commencer les semis. On va faire tous les épandages de fumier, donc épandage sur la luzerne, épandage sur l'herbe multi-espèce et épandage sur les champs de tournesol. Donc comme ça au moins ça sera fait, l'épandeur pourra être nettoyé une bonne fois pour toutes et ça sera bon. Ensuite il y aura aussi les semis de blé que l'on va faire dans la foulée, je pense. Je vais voir si je passe un coup de disque, comme il y a eu de l'apport de chaux sur les parcelles. Je pense que on va voir comment on fait, comment on gère, mais je pense que ça pourrait être pas mal quand même de passer un coup de déchaumeur à disque pour un peu mélanger la surface et faire une bonne préparation. Voilà un petit peu ce qui va venir. Et bien sûr je pense que on va se donner sur la deuxième semaine d'octobre. On va aller rentrer aussi tout ce qui va être taureau. On va les ramener à la stabulation sur le site d'engraissement et on va bien sûr continuer donc de les nourrir, mais avec ce coup-ci des rations un peu plus équilibrées, enfin un peu plus complètes, pas plus équilibrées mais plus complètes, pour en gros finir de les engraisser correctement et qu'il se porte le mieux possible pour l'hiver. Donc voilà, comme je disais un petit peu, donc c'est les travaux qui vont arriver, ça sur le mois d'octobre. Donc encore pas mal de choses à faire. On va déjà essayer de semer nos blés comme le temps est propice. On va essayer de les semer bien évidemment au maximum dans le sec, enfin dans de bonnes conditions si je puis dire. Ça c'est bon, ça c'est en follow, impeccable. Nous on va partir donc à la parcelle. Donc voilà, on va attaquer tout ça. Donc je vais commencer bien sûr par la parcelle, la plus grande des parcelles. Je pense qu'on va se faire cette parcelle ensemble les gars, comme ça vous fera une belle vidéo avec des petites activités, donc le cholage. J'ai également roulé les parcelles d'orge les gars, puisqu'il fallait que je les roule. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai roulé mes parcelles d'orge. Comme ça c'est fait, comme ça en même temps ça rappuie un petit peu l'apport de marne et qui permet de bien choler les champs. Donc vous voyez que toutes les parcelles ce coup-ci sont cholées, on n'y reviendra pas. Ça c'est fait, ce n'est plus à faire. Donc ça c'est une bonne chose. Là on va aller donc du coup comme je disais fertiliser la parcelle de herbe multi-espèces. Donc un petit peu le programme de cette vidéo. Donc voilà, chargement de fumier, épandage. On va essayer de se faire cette parcelle ensemble. On continuera ensuite après, comme on sera un petit peu sur le secteur, on ira faire la parcelle de tournesol qui est la plus éloignée. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Je pense qu'on continuera tout ça en live. On se fera cet apport de fumier sur toutes les parcelles.
qu'on finisse les épandages de fumier, que l'épandeur puisse être lavé et hiverné. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Hop. J'ai également changé la vue de la caméra pour la partie gaming, la partie volant, joystick et boîte de vitesse. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz un petit peu dans les commentaires si vous voyez mieux ainsi ou si vous voyez mieux avant cette configuration. Donc voilà, j'attendrai bien évidemment vos retours là-dessus. Et puis comme je disais, là on est parti aller charger du fumier et épandre tout ça. Donc j'ai repris le 612, qui va bien sur l'épandeur, il est assez maniable. J'ai mis une petite masse comme ça au moins on a de l'adhérence sur le pont avant. Et puis on va attaquer ça tranquillement mais sûrement. Et puis sinon j'espère que vous passez bien évidemment un bon dimanche en ma compagnie. Voilà, le rendez-vous du dimanche c'est 10h avec AL Simulation bien sûr sur la chaîne et bien sûr sur la série Ma Ferme Périgourdine. Hop, allez, tac, donc nous voilà à la parcelle. Donc ce qu'on va faire, on va charger l'épandeur de fumier. Voilà, en plus les parcelles ont commencé à bien repousser là pour l'hiver, ça va être impeccable, ça va être pile poil au bon stade. Donc on va continuer ainsi. Hop là, je vais m'arrêter là avant de te reculer bien évidemment dedans toi, parce que c'est bien sympa Jean-Michel, mais là hop. Allez, je reprends le volant. Hop, donc ce que je vais faire, hop là. Hop, impeccable. Hop, ça c'est chargé, je vais me reculer un peu plus avec le 612. Donc on ira, on va faire la parcelle en deux, je pense. Je pense qu'on va aller commencer par la grande partie les gars et après on ira bien sûr faire cette petite partie là qui sera un peu plus proche du tas de fumier. Donc on va faire comme ça, donc ensemble comme je l'ai dit 612 et épandeur Unia Apollo qui est super joli, qui vient du DLC donc premium. Donc pour ceux qui le veulent faut le DLC premium. Hop là, et moi j'en fous partout, je commence, hop. Impeccable, ça c'est impeccable quand le chargement commence comme ça les gars, ça annonce que du bon. Allez, allez, on va se concentrer, faire ça propre. Donc j'espère que ça va vous plaire cet épisode. Voilà, un petit épisode quand même assez sympathique je pense à regarder, avec des petites scènes au départ. Voilà, comme ça vous fait un petit peu du multitâche. Voilà, peut-être que ce format peut être pas mal aussi de vous faire des fois un petit peu ce que je fais moi en off, que j'essaye d'avancer. Donc voilà, hop. Donc ça c'était le fumier que l'on avait sorti fin août je crois. Donc on avait mis fin août début septembre juste avant de commencer allez, deuxième godet bien évidemment. Pareil, j'ai envie de me mettre à côté. Donc le fumier qu'on avait sorti de la fumière. Où il y a les Holstein. Hop. Allez. Hop. Là, on va récupérer déjà ça. Ça m'évitera de rouler trop dedans. Hop là. Donc voilà, on a une belle aussi vente de lait, hein. On approche les 60 000 euros, donc ça c'est plutôt intéressant pour nous, sachant que voilà, vous le savez, j'aimerais bien changer mon 720, racheter du matériel, un petit peu renouveler certains matériels, acheter du nouveau matériel aussi sur la ferme. Donc voilà un petit peu les projets. Donc on va essayer de se faire un bon budget là, avant la fin de l'année là, histoire d'avoir un petit peu de quoi faire. Normalement ça devrait être pas mal. Hop. Pareil, je vais remettre un coup de godet parce que sinon je me connais, je vais encore en mettre partout. Alors premier chargement de godet, ce sera pas terrible les gars, enfin de l'épandeur. J'en aurais mis un peu partout, mais bon. Comme après je vais redécaler avec l'épandeur pour charger.
En tous les cas, le godet que vous m'aviez conseillé, le grappin fumier, là, va super bien. On met 2300 litres dedans, donc voilà, c'est pas mal. Ça fait bien le taf. Donc voilà, donc après, je crois qu'aussi, j'aurai des parcelles de couvert à broyer durant l'hiver. Donc voilà, là, actuellement, la charrue a été dételée du 826. Voilà, je l'ai dételée. Ça ne sert à rien de la laisser atteler pour l'instant, puisque ça a l'air de se maintenir au sec. Donc du coup, on va essayer de semer ça avec notre semoir à dents. Et puis de faire du bon travail. Hop là. Impeccable ça, impeccable, impeccable. Quoi, j'ai pas été voir par contre si l'orge était bien levé. Bon, je l'espère parce que voilà, c'est... Vous le savez, notre ami voisin agriculteur qui est venu nous semer ça avec son ensemble Alpego là. Puisqu'on avait labouré derrière le maïs, on n'avait pas eu le choix... Mais voilà, le labour aussi c'est pas trop mal, ça permet d'éviter aussi de faire un passage de désherbage. Donc voilà, on perd peut-être un petit peu au niveau du score environnemental, qui est assez important, hein, puisqu'on touche une prime par rapport à tout ça chaque vente de culture. Donc c'est voilà, faut faire attention. Mais là pour le coup on économise quand même un petit peu d'herbicide, donc c'est pas négligeable. Voilà, on a à peu près un peu près 6 hectares je crois d'orge de semer là, et d'orge hiver, donc on est plutôt pas mal. Allez, l'épandeur est bientôt plein les gars, hop, je pense qu'encore un godet et ça va être pas mal. J'essaie de racler au plus proche de la clôture. L'année prochaine j'irai pour le mettre un peu ailleurs je pense le tas. On verra ça, mais ouais, on verra peut-être pour le mettre un peu ailleurs, histoire de pouvoir peut-être un peu mieux charger. Hop, impec. Est-ce que je vais refaire? Je vais racler un peu le sol là. Hop. Hop. Mettre un coup de propre partout. Donc épandage de fumier à cette époque sur les parcelles de déjà de luzerne, d'herbes multi-espèces, pour la bonne raison que voilà, ça va les fertiliser, ça va permettre aussi du coup, on va en mettre, je pense qu'on va mettre à peu près 10 tonnes aussi. Est-ce que je monte à 10 tonnes ou est-ce que je peux monter à plus? Tac tac tac. Alors sinon ce que je peux faire, alors ce qu'on va faire les gars, hop, je vais me remettre en taux automatique pour l'herbe, comme ça on sera pas mal, impeccable. Hop, allez, on va repartir dans le bon sens. On va faire comme ça, on va se mettre en taux automatique pour tout ce qui sera luzerne et herbe multi-espèce, et on repassera sur du 10 tonnes hectares pour tout ce qui sera blé. Comme ça la première coupe que l'on fera d'herbe aura été fertilisée à 100% avec du fumier. Voilà, comme l'hiver va passer, il va y avoir de l'eau, il va y avoir du sec, un peu de gel, ça va un peu délier le fumier, ça va le permettre qu'il soit assimilé aussi par la plante, il va commencer à se décomposer ou se décomposer entièrement, et du coup on le retrouvera pas dans le fourrage au mois d'avril au moins. Parce que la première coupe sera en avril pour notre part. Hop, allez, c'est parti, et on commencera comme l'année dernière, on commencera par une coupe d'enrubané pour que ce soit nickel. Je pense qu'on peut être pas mal en faisant comme ça. Hop. Voilà, ça se fertilise, donc ça c'est bon, c'est la bonne nouvelle. Hop. Hop, donc là je vais faire un peu différemment de d'habitude. D'habitude je fais un peu les grandes lignées à l'épandage, et là je pense que dans l'herbe multi-espèces et puis dans les parcelles de luzerne, ce que je vais faire d'abord les tournières, je vais essayer de détourer, faire deux tours, comme ça au moins on sera tranquille. Hop, allez, impeccable. Donc voilà,
et la série continue toujours autant de vous plaire, donc ça c'est parfait. Donc bientôt renouvellement de tracteur, voilà, on s'en approche. On va essayer de revendre le 720 quand il est encore à un prix intéressant, on va dire. Donc voilà, et là ils vont à peu près 130 000 euros je crois encore, donc voilà, avec le nouveau tracteur je pense qu'on remettra certainement un petit peu au bout, mais voilà, on va repartir avec un tracteur assez puissant et surtout voilà qui sera voilà polyvalent, forte puissance, puisqu'il fera je pense qu'on partira sur un 728 Vario ou 726 entre 260 et 300 chevaux du coup, pour voilà comme je disais passer soit du 826 au 728 ou 26 en fonction de ce qu'on décidera, ou sinon du 728 ou 726 au 826 sans souci. Ça permettra de pouvoir un peu switcher d'un tracteur à l'autre, voilà, quand on a besoin d'un tracteur et puis que bah il est attelé sur un outil, bah des fois on n'a pas de tendance à dire bon, tant pis je vais faire avec un autre, alors que voilà, avec deux tracteurs polyvalents comme ceux-là, ça sera sans souci. D'ailleurs, ce que je ferai à la fin, je vais pas mettre du fumier à côté où je vais charger pour l'instant. Hop, impeccable. Ça c'est bon, ça va se fertiliser. Voilà, bon le chemin c'est pas grave, j'en mets un peu dessus, c'est pas très très grave. Ça fait partie de la parcelle. Hop. Là 7000 litres, ouais, bah j'espère qu'on aura assez de fumier au moins, ouais, on verra, peut-être qu'on devra ressortir du fumier pour en emmener ici, mais ouais, on verra ça en temps voulu. J'espère en avoir assez moi de mon côté quand même, ça pourrait être cool. Ça m'éviterait de refaire un trajet ou deux avec remorque, parce que là je pense que ouais, on a de quoi faire je pense, mais on va pas non plus en avoir beaucoup de plus. Et ce que je vais faire, je vais refaire une passe de ce côté là comme ceci. Hop. Hop. Donc voilà, je décide de le faire à cette époque-ci, donc octobre ça me paraît pas mal, comme ça il y a tout l'hiver qui va passer dessus, donc de octobre jusqu'à avril on n'aura pas de résidus de fumier dans le fourrage, donc ça sera une très bonne chose, tout sera bien décomposé pardon, et puis voilà. Donc, j'espère que cet épisode bien sûr va vous plaire. J'attendrai bien évidemment vos retours dans les commentaires. Voilà, un petit peu vos conseils, vos idées aussi concernant le futur matériel à venir. Hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont déjà quelques petites idées. Alors je parle pas du tracteur puisque comme je l'ai dit, voilà, vous savez, c'est pour un nouveau 700 Gen 7. Donc du coup ça, il n'y a pas vraiment de secret. Mais surtout pour voilà, pour le futur matériel que l'on va renouveler, et surtout tout ce qui va être nouveau matériel qui va arriver sur la ferme, puisque bien évidemment il va y avoir de nouvelles choses à faire, des nouveaux travaux, donc voilà. Hop, ce que je vais faire, je vais juste essayer de faire la passer comme ça, tac. Allez, hop là. Lui va être bientôt bon aussi à passer dans la révision. Il arrive à 40 heures, donc voilà, impeccable. Hop, on va refermer, on va recharger les gars. On va se refaire un épandeur. Ouais, potentiellement, parce que là le petit bout va être fait. On va voir ce que ça donne avec la grande partie. Mais là ici, je pense qu'un épandeur ici, ça le fera pour terminer le bout de parcelle. Et de l'autre côté, bah, il en faudra ouais, peut-être deux. Donc ouais, potentiellement, je pense qu'on aura potentiellement assez. Enfin, je l'espère, du moins. Hop là. Impeccable. Allez, on va recharger ça. On va essayer de ce coup-ci de ne pas en mettre à côté. Hop là, attention que je fasse pas chavirer. Hop là. Impeccable ça. Donc voilà, les ensembles je les présente plus, puisque bah là vous les connaissez, hein, ceux-là, le télescopique,
le FN612, le tracteur de la ferme. Voilà. Hop, impeccable comme ça, là, ici, normalement. Ah, ça me l'a poussé, évidemment. Hop, on va se mettre comme ça pour mieux voir. Ça ira pas plus mal. Hop, allez, on va essayer de reprendre un peu ce qu'il y a le long de la clôture aussi. Racler bien tout ça. Sans bien sûr abîmer les piquets de la clôture, parce qu'il y en a qui vont m'entendre au tournant, je le sens. Hop, impeccable. Bon, ça c'est de l'autre côté, donc je vais pas pouvoir en prendre de plus. Mais voilà, on va essayer de laisser ça propre quand même. Hop. Donc les semis bleus, ben voilà, on va changer d'ensemble de semis, bien évidemment. Hein, on reprendra donc notre ensemble. Trémie frontale et semoir à dents Orche. Voilà pour voilà. J'espère, sauf si le temps change, on verra si le temps change, les gars, et si le sol du coup n'est plus sec mais commence à être humide, on ressortira la charrue. Mais au moins, déjà, je voudrais faire tous les épandages au moins dans de bonnes conditions pour pas défoncer le sol. Faire attention au sol, bien évidemment. Donc voilà, c'est. On va essayer déjà de faire ça, tous les épandages, comme ça au moins on défonce déjà pas les sols. Et puis voilà, avec le semoir, en fonction du temps, si jamais je suis vraiment trop pris par le temps, bah on fera du semis direct, on passera pas de coup de disque. Mais je pense qu'on aura quand même le temps de ressortir le déchaumeur à disque. En plus, avec le 826, normalement, ça devrait y aller plutôt pas mal. C'était cet ensemble qui était sur les déchaumages au mois d'août, donc voilà, il n'y avait pas eu de soucis. On avait la traction, on avait la puissance pour l'emmener, donc voilà, on va continuer ainsi. Et puis on s'occupera après tout ce qui sera couvert végétal, on verra. De toute façon, tant que c'est sur la parcelle, ça ne craint rien. Au contraire, c'est mieux que ça soit sur la parcelle, qu'il n'y ait plus rien sur la parcelle et que ça soit vide. Va falloir qu'on procède dans l'ordre. Voilà. Hop, donc voilà, les cochons aussi vont être arrêtés. Voilà, puisque j'ai pas assez de gameplay autour de ça, je trouve. Et puis il y en a vraiment pas. Farming n'en propose pas vraiment beaucoup. Donc voilà, on va arrêter cette production. Je pense qu'on va voir, on réhabilitera un peu le bâtiment en bâtiment de stockage de matériel. Voilà, un petit peu voilà du matériel occasionnellement. Voilà, je pense qu'on verra là avec la hauteur, parce que le problème c'est que la hauteur est pas non plus ouf, hein, je vais dire. Mais voilà, au moins mettre quelque chose qui. Alors, arrive à charler ou pas? Hop là. Les câbles. Donc on verra ce qu'on peut mettre dedans. Mais remise un peu de matériel, pourquoi pas. Du stock aussi de fourrage. À voir comment on va le réhabiliter, ce bâtiment. Mais voilà. En tous les cas, les cochons, je vais les arrêter ce coup-ci. Voilà, je vais essayer de voir à quel moment je pourrais les vendre au plus cher. Et récupérer un peu d'argent. Et puis à la place, faire une autre culture, comme je l'avais dit. Enfin, une autre culture, une autre production. On verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, quelques petits changements sur l'exploitation. Mais voilà, ça va le faire. Et on va continuer de gagner de l'argent. Voilà, continuer dans cette lancée, dans cette belle série. Hop. Impec. Allez, je pense que ça sera bon. Comme ça, on aura fait deux épandeurs déjà. On va essayer d'aller finir le côté là-bas. Hop. Pick-up 100%. Et il m'en reste pas tellement. Hein. Je pensais qu'il m'en resterait beaucoup plus que ça, mais non. Hop, on va le laisser comme ça, lui, pour l'instant. Et on est reparti. Hop, avec le 600.
Ouais, c'est vrai que ça en consomme pas mal. Alors, mais à peu près 80 kg d'azote là par hectare, donc ouais, ça forcément ça en consomme un peu. Après, bon, c'est pas déconnant non plus, hein. On a fait quand même trois coupes d'herbe dedans dans cette parcelle. Une d'herbe. La dernière, c'était de l'ensilage d'herbe qu'on a ramassé à l'autochargeuse. Après, ce que je vais faire, je vais mettre mon GPS puisqu'on l'a aussi sur le 612. Donc, hop, on va déplier. Donc ouais, trois coupes. On avait fait une coupe un peu enrubannée et herbe pour mettre dans le silo. Et on avait fait quoi d'autre? Tac tac tac, si je dis pas de bêtises, on a fait une coupe de foin, c'est sûr, que l'on a mis pour stocker et vendre. Et on a fait aussi une coupe de foin multi-espèces, donc qui est actuellement dans le séchoir, hein, qu'on avait mis à sécher, qu'on avait ramassé à l'autochargeuse et que l'on avait mis à sécher. Donc voilà, on l'a quand même exploité cette parcelle, donc voilà, c'est normal aussi que bah, ça consomme de l'azote, même si on l'avait fertilisé, je crois, avec un coup d'urée au moment des fertilisations de blé, d'orge, enfin des céréales. Hein. Et j'ai été revenu mettre un coup d'engrais minéral sur cette parcelle pour bah, voilà, continuer à avoir du rendement et maximiser le tout, comme d'habitude. Bon, c'est impeccable, ça s'avance bien. Le chantier s'avance très très bien, il n'y a pas trop de soucis pour l'instant. Donc on va continuer comme ça. Hop. Ah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, chantier là, épandage comme ça dans les parcelles. Voilà. On va y aller à fond. Au début, je voulais mettre le 826 sur l'épandeur, mais je me suis dit que mon ensemble, le 612 sur l'épandeur, c'est le tracteur que j'aime le plus. Voilà, j'ai dit je vais reprendre mon 612. Hop. Hop là, allez, la clôture. Allez, William et JP vont être contents, je pense. J'attends les commentaires de ces deux-là. Allez, encore une clôture, les gars. Encore un piquet de clôture. Bon, on va avoir du boulot cet hiver à refaire les clôtures, c'est moi qui vous le dis. Heureusement que j'ai des actions chez moi-même. Mais du coup, allez. Il n'y en avait pas encore eu un, il en fallait bien un. De toute façon, à chaque fois dans les vidéos, vous le savez maintenant, il y a toujours un petit accrochage, quelque chose qui fait que voilà, ça c'est ma signature. Bon, bah, c'est impeccable, franchement, nickel. Donc vous avez vu que j'ai mis aussi les bavettes là pour éviter de ramener trop de terre sur la route. Voilà, c'était attelé. Bon, à la base, je l'avais mis pour surtout quand je distribue la ration. Mais voilà, je m'en sers aussi. Vous voyez, c'est les bavettes là qui permettent bah, d'éviter d'avoir trop de terre aussi sur le matériel derrière. Voilà, il y a des boîtiers en plus là sur les pendeurs et tout. Ça évite de trop le salir. Donc voilà, faire attention un peu à ce matériel là qui coûte assez cher. Et qui voilà, qui nous permet. Hop là, je vais éviter de refaire le même. Ah bah alors je vais y arriver ou pas? Eh ben. Toi tu veux pas y aller mon gars? Allez. Ou si ça devrait passer. Impec. Ah, c'est parce que je suis un peu plus en angle, donc ça arrive pas à tourner, ça casse beaucoup trop le tracteur et j'arrive pas à tourner, ça va être pour ça. Alors il fallait presque un deuxième tour pour éviter que ça fasse ça. Hop, donc l'apiculteur bah, aussi viendra récupérer ses abeilles, puisque bah, là, durant l'hiver, c'est pas là où il va faire. Le plus de rendement. Hop. Je pense qu'il reviendra. Mince, j'ai loupé. Hop. Moi, je vais prendre celle-ci si je peux. Pas très grave. Non, je vais me remettre sur l'autre. Comme ça, au moins, je fais en suivant. Hop.
là j'ai encore 6000 litres. Ouais, voilà, là, plus la parcelle commence à bien raccourcir. On a fait les plus grandes lignes. Donc, ouais, ça va le faire. Bah, y en... décidément, de ce côté-là. Au moins, je reviendrai pas faire la clôture pour rien. Je vais raccrocher quelques fois. Impeccable, je vais m'en mettre ici. Hop. Litres, ouais, ça va tout juste finir la pointe. Ça va vous faire un bel épisode encore une fois là pour ce dimanche avec toutes les prises de vue de départ, plus bah voilà la partie un peu plus gaming. Voilà pour vous montrer un petit peu sur quoi on se dirige. Les débuts des travaux, là j'essaie toujours de vous faire un petit peu le départ des travaux pour vous expliquer un petit peu pourquoi je le fais. Voilà comment je le fais, dans quelles conditions, et après voilà, on termine en général tout ça en live. On continue du moins. Je trouve que c'est pas mal, voilà, ça permet de le faire voilà, ensemble un petit peu. Je vous donne des explications. Et puis comme ça, pour ceux qui veulent des explications derrière pendant le live, bah, je peux toujours en redonner. Hop. Impec. Comme ça, on va reprendre un petit peu là, par ici. Fertiliser tout ce qui est pas, il y a quelques petites traces rouges encore, voilà, ça remonte en orange mais ça remonte pas forcément en vert, pourtant je suis en apport automatique, donc voilà, non mais à peu près 10 tonnes, ouais, entre 8 et 10 tonnes, ouais. Ça fertilise, j'ai des endroits qui sont verts, j'ai d'autres endroits où c'est plutôt orange, bon, la plupart de la parcelle c'est quand même orange, très orange même. Mais dans l'ensemble, ouais, ok. On verra. On verra ce que ça donne. Hop. Allez. Ce qu'on va faire, on va recharger l'épandeur. Je pense que je vais mettre. Est-ce que je mets le restant? Bon, on va essayer de mettre le restant. Hop. Comme ça au moins. Hop. Même si j'en ai trop dans l'épandeur, bah, j'irai commencer une autre parcelle avec. Des fois, ce sera peut-être ce qui aurait manqué. Et comme ça, ça laisse au moins la parcelle bien propre. Hop. Allez, on va recharger donc l'épandeur, les gars. Hop. Bon, j'aurais pu en reprendre. Bon, c'est pas grave. Bon, je pense qu'il y aura la moitié d'un épandeur là à peu près là, je dirais allez, 3 ou 4 godets à 2300 litres, ouais ça va faire ça, ça va faire 6000, 7000 litres. Hop. Hop. On va reprendre un peu là. Donc ouais, j'attends vos retours bien évidemment sur l'abus du poste de commande. Voilà, joystick volant. On va voir si ça vous plaît mieux ainsi. Hein, si ça vous plaît pas, bah, dites-le moi aussi. Hein, bien évidemment, j'essaie d'améliorer des choses aussi au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne. Hein. Encore une fois, merci à vous tous qui me soutenez, qui lâchez vos pouces. Ça fait énormément plaisir. Voilà, vos commentaires. Voilà, comme je le dis à chaque fois, j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent les modes, etc. Si la map et tout. Alors les gars, la map, en général, je vous mets dès le départ, comme ça au moins, si vous regardez les scènes d'intro ou les premières minutes de la vidéo, vous aurez le nom de la map, sans souci. Donc voilà, essayez aussi de regarder un petit peu. Des fois, vous avez les réponses dans les vidéos. Et voilà, j'essaie quand même de vous répondre quand vous posez des questions. C'est la moindre des choses en tous les cas, je trouve. Allez, hop. Donc voilà, prochainement aussi, certainement une présentation d'un pack
de mode. Il y aura peut-être aussi bientôt la semaine prochaine ou l'autre semaine en fonction de l'arrivée, mais un unboxing de miniatures. Donc voilà, premier unboxing de miniatures. Vous avez fait un petit unboxing concernant un Lego Technique, donc le débusqueur forestier John Deere. Donc voilà, ça vous avait pas mal plu ça aussi. Donc voilà, c'était sur l'Instagram. Donc bien sûr aussi, n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram AL Simulation. Comme ça, vous aurez aussi des publications régulières sur le jeu Farming Simulator et surtout sur la série Ma Ferme Périgourdine. Surtout ce que je peux faire moi un petit peu des fois de mon côté et que j'ai pas forcément le temps de filmer. Donc voilà, je vous mets un petit peu des fois des petites choses voilà, assez sympas, je trouve, voilà, qui vous permettent de continuer de suivre un petit peu en image au cours de la semaine. Voilà, parce que voilà, j'avais essayé de vous faire plus d'épisodes, mais le problème c'est que le temps, je ne l'ai pas forcément et je ne peux pas non plus vous faire un épisode pour vous faire un épisode. Voilà, j'essaierai de vous refaire quand même quelques petits épisodes bonus. Voilà, les. Petits et bons épisodes supplémentaires. Voilà, impeccable. Allez, on va vider ça dans l'épandeur. Avec tout ça, j'en aurai assez. Ici, c'est trop près de la clôture, donc on va éviter de l'arracher. Déjà que j'en ai un bois à remettre maintenant. De l'autre côté, hop. Et ben, ce qu'on va faire, lui, je vais le sortir de la parcelle. Hop. Comme ça au moins je vais pouvoir passer avec les pendeurs là où j'en ai pas encore mis. Hop, je vais le mettre ici, là où il y avait le soja. Impeccable. Allez, hop là, je le mets dans le godet. On va finir ça ensemble. Au moins la parcelle là, ça sera fertilisé, les gars. Tac, où j'en étais. Essayer de se mettre tac. Alors ce que je vais faire, je vais me replacer comme ceci. Hop, on va couper le GPS puisque c'est plus du tout la même chose. Là on est pas mal, les câbles. Bon, non, on va voir ce qu'il faut, je pense, hein, parce que ça quand même, ça descend quand même assez vite. J'avais peur de pas en avoir assez, mais ouais. On va voir, je pense, le compte à force. Impeccable. Hop, donc les beaux tourillons là qui grandissent bien. Pareil, ça, quand on va vendre, ça va nous faire un maximum d'argent. Hein. Quand ça va rentrer l'argent avec tout ça, je pense qu'on va pouvoir se faire des beaux achats. C'est le but, hein, aussi, hein, bien sûr. Avoir du beau matériel sur cette série, c'est ce qu'on aime. Allez, hop, je vais faire comme ceci. Pour prendre le dernier bout là. Hop, et puis on ira finaliser tout ça. Hop. Impeccable. Ça, c'est parfait. Hop là. Allez, on va finir la petite pointe là. Hop là, on va essayer de bien tout emmener quand même. Un peu, ce qui est embêtant, c'est que quand il y a une culture comme ça, là, comme l'herbe, on voit pas forcément après où on est passé et c'est pas forcément évident de voir. Allez, bon, ça c'est bon, c'est fertilisé, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Hop. Et ben, ce qu'on va faire, ben, les gars, on va faire comme d'habitude, la petite vue finish. Voilà, donc j'espère que bien évidemment cet épisode vous aura plu. Voilà, c'est bien fertilisé.
Ah, on est mauvais en azote. Ah, c'est pas possible. Bah, j'ai mis le... en automatique. Qu'est-ce que c'est que ce wins? Rendement attendu 101%, potentiel 125, ouais. Bah, peut-être que là, je peux mettre que ça pour là, pour le début. Bon, on verra. Non, il y en a 110 par endroit, 135, 165. Bon. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Bah, les gars, voilà. Bon, bah, en tous les cas, le fumier, si on n'en aurait pas eu assez, si. Du coup, si j'avais dû mettre les 200 kilos de. D'azote, mais en tous les cas, voilà, au moins on aura fait un premier passage sur cette parcelle. Peut-être que j'y reviendrai du coup avec de l'azote au mois de février. Voilà, pareil là, dans cette parcelle au moins. Je vais essayer de voir si sur les autres parcelles de Luzerne, etc., ça fait la même chose. En tous les cas, les gars, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésite pas à s'abonner, à rejoindre la chaîne, à lâcher un maximum de pouces bleus, bien évidemment, d'activer la cloche pour les notifications. Nous, on va se retrouver mardi pour continuer tous ces travaux d'épandage. Je pense qu'on fera un peu d'épandage, on fera certainement aussi, on verra en fonction du temps, mais je pense qu'on commencera à faire du déchaumeur à disque avec le 826. Et puis voilà les gars, donc les gars, maximum de pouces bleus et je vous dis à très bientôt sur la chaîne AL Simulation. Allez les gars, ciao à tous.